2-0 à l'extérieur face à Bergerac. Première journée de championnat à N2. Comment s'est déroulée cette reprise, ce premier match du championnat? Non, bah, c'était intéressant dans l'ensemble, déjà de par la victoire, le fait de ne pas prendre de but aussi. On a montré une certaine solidité. Il y a eu deux mi-temps, je veux dire, complètement différentes sur ce match. Une première, où on a plus eu la possession, on a été efficace dans le jeu pour mener 2-0 à la mi-temps. Une seconde mi-temps, où on a fait preuve de beaucoup de solidarité. On a montré un état d'esprit justement pour réussir à défendre ce 2-0. On aurait pu breaker, on aurait pu aussi prendre des buts, mais on a réussi à garder ce score. Score final 2-0, donc c'est un bon début de saison. On voulait bien démarrer la saison et on l'a fait ce week-end. 2-0, c'est sans prendre de buts, donc c'est parfait. Bon, un doublé pour toi pour commencer la saison, pour la confiance, c'est bien? Ouais, un petit doublé, ça fait du bien. Puis comme ça, le compteur est ouvert et puis la saison est lancée. Cette année, c'est un groupe jeune, principalement composé de 19 qui montent. Quelles sont les qualités de ce groupe et quel est l'objectif cette saison en National 2? Eh bien, déjà, l'objectif, c'est le maintien, c'est de maintenir le club au niveau de la National 2, parce qu'on voit que ce n'est pas évident pour une réserve de rester dans cette situation-là, on l'a vu l'année dernière. Mais bon, il y a de la qualité chez nous, il y a des jeunes qui sont intéressants, qui ont repris aussi avec le groupe professionnel à l'intersaison, donc qui voient un rythme assez différent dans le jeu. Les intensités sont différentes là-haut, donc ça nous apporte ça aussi, nous, quand ils redescendent. Donc l'amalgame de ça, plus les pros qui vont redescendre, on va tout faire pour remplir cette objectif. Ce week-end, réception de Saint-Privé-Saint-Hilaire, c'est important aussi de confirmer à domicile, de prendre les points. Ouais, ça va être important ce match pour confirmer la victoire de ce week-end, et en plus à domicile, donc il faudra prendre les points. Ouais, il faut confirmer, parce que bon, là, il y a une série de 7 matchs là, sans interruption, contrairement à l'année dernière où le championnat était assez interrompu. Donc le plus important, c'est de prendre les points rapidement, de bonifier ce résultat à l'extérieur par un résultat positif à la maison, ce serait intéressant. Merci Romain. Cliquez ici pour vous abonner à la chaîne YouTube du MHSC. Please click here to subscribe to the YouTube channel. Siguez le canal du MHSC no YouTube.